Salut les petits potes. Bon, la semaine dernière, t'as vu, on a fait le berceau moteur, le collecteur. C'est quand même une partie qui est assez complexe. Tu passes pas 5 minutes à réaliser ça, en gros. C'est des tubes de ferraille, tu coupes, ça reste quand même réalisable. Mais là, on va attaquer les parties chiantes du projet. Les parties où il va falloir quand même réfléchir. Je regarde dehors parce qu'il fait super beau et c'est agréable. J'aime beaucoup. Pour l'instant, mon support de boîte de vitesse pour ce projet, c'est ça. C'est un Cric Castorama à 19€. Au rayon outillage professionnel. Professionnel. D'origine, tu vois, tu as ce support de boîte de vitesse qui est repris sur la traverse. Et tu as une pièce métallique qui vient se fixer à la boîte de vitesse. Mais bon, là, c'est pas la boîte d'origine, bien sûr, tu as compris. Il n'y a rien qui va. J'ai un autre problème, c'est si je fais une pièce sur le dessous de la boîte qui relie ce cylindre bloc, j'ai plus de place pour les commandes de boîte de vitesse. Tu vois ça là? Ça c'est une commande. Et il y en a une autre plus haut là-haut, qu'on voit pas. Ça va poser problème. Moi, je pense faire autrement. Si je me mets là, comme ça, tu vois là, je suis au-dessus des deux longerons. Avec la boîte de vitesse qui est là, comme ça. Elle ne passe pas trop. J'ai les longerons qui sont là. C'est un bon support. Je pense que tu as compris où je voulais en venir. C'est que je vais faire le support de boîte au-dessus des longerons et qui va venir prendre la boîte de vitesse sur les côtés. Bien sûr, il n'y a rien qui existe, donc il va falloir fabriquer. Il va falloir ressortir les tubes, le poste à souder. Dudu, il n'est pas là. Donc, je m'y colle. T'as vu là, 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 et peut-être là-haut même. Il y a des filetages. J'ai bien envie de me faire une platine ici pour un tube qui va remonter en haut pour aller choper le support de boîte. Et le problème, tiens là, je viens d'y penser en parlant, c'est qu'il me faut un amortissement. Je peux pas monter tout en rigide comme ça. Ou va falloir que je fasse des plans ou non. Non, non, pas de plan. Tu vois pas les positions des fois comme ça quand je te fais des plans là, de la boîte de vitesse qui est là-bas. Tu vois pas? Tu vois pas mon cou qui est... Genre des abdos au cou. Au cou, hein, j'ai dit, au cou. Donc comme tu peux le voir, c'est pas les mêmes vis. Mais c'est pas grave. C'est juste pour me faire des hauteurs identiques, car les filetages n'ont pas la même profondeur. Et les embases de filetage non plus. Et là, toutes les têtes de vis sont même niveau. Et là, je vais prendre un petit papier, tu vois. Je vais me faire mon support de... Enfin, ma platine de support de boîte. Et tout me passer au doigt, tu vois, avec mes doigts sales. Comme ça, je vais avoir toutes mes vis qui vont ressortir avec mes gros doigts sales. Ça sera plus simple pour les tracer. Au final, j'ai un feutre. Je vais le faire au feutre. Pour m'embêter. Tac. Tac. Allez, on va dégrossir. Bon, en gros, ça va ressembler à ça. Là, j'ai fini mon petit bout de papier. Je vais reporter tout sur le bout de carton et le peaufiner. Il est pas beau, ce petit gabarit. T'inquiète pas, il est un peu brut, avec des angles à 90 un peu partout, mais on va arrondir tout ça. On va rendre la chose un petit peu plus belle. Mais déjà, tu vois, il y a les vis, c'est en place. J'ai une surface plane pour venir souder quelque chose. Et à mon avis, ça va être vraiment costaud. Je vais faire l'autre côté. Et ça devrait le faire. Et voilà le deuxième qui est beaucoup plus simple dans sa forme. Hein. Et t'inquiète pas, il n'y aura pas des angles vifs comme ça, comme je t'ai dit pour l'autre côté. Ils sont là, mes petits gabarits. Tu vois, j'ai tracé tous mes petits arrondis, les parties qui me servent à rien. Je pense que si on arrive à découper comme ça, ça peut faire des petites platines assez propres. Ça va être sympa. Regarde ce que je viens de recevoir. Mes petites tulipes de cardan pour pouvoir bidouiller, parce que je pense que forcément, au niveau diamètre cannelure, ça va pas aller. Mais au moins j'ai une base, je peux visser mes cardans dessus et ça je vais pouvoir le couper, le souder. Enfin, on va voir ce qu'on va faire. J'ai commandé ça pour du neuf et j'ai l'impression que c'est pas du neuf, tu vois là. Il y a comme une portée de joint spi qui a été faite. Alors je pense que c'est des pièces d'occasion qui ont été nettoyées. Salut, je suis Wally.
Alors, tu vois les tulipes, elles viennent comme ça là. Clic. Ouais, ça y va bien, c'est les bonnes déjà. Il faut que je modifie ça. Il faut que je le retire pour récupérer la partie cannelée qu'il y a dans la boîte là, pour l'adapter sur la tulipe. Mais il faut que je modifie la profondeur, faut couper, faut usiner, il va falloir que je mesure. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Un truc tout bête, hein. Je vais présenter le cardan, faire un trait, enfoncer à fond, sortir à fond, faire le milieu, voir où je tombe à peu près avec ça. Puis de toute façon, vu comme ça à l'œil, à mon avis, ça va être en cote maxi. On va voir. Là, je pense que tu vas mieux comprendre comme ça. Tu vois, ça c'est du Renault, mais ça va sur les cardans Renault. Ça c'est pour les cardans Volkswagen. Il faut combiner les deux, il faut allier les deux. Donc regarde, j'ai fait des petits repères avec le bonhomme. Content, pas content, il faut rester dans cette marge là pour l'extérieur de la tulipe. Tu vois, faut couper, récupérer les cannelures, souder là-dessus et on devrait être bon. C'est un peu bidouille, mais ça va le faire large. Je suis confiant. Alors les platines sont parties au taillage, donc pendant ce temps-là, je peux pas faire grand-chose. J'ai donné tous mes gabarits, j'ai passé les tulipes aussi à Dudu pour qu'il les passe autour, pour les couper et puis les ressouder entre elles, hein, forcément. Ce que je vais faire, je vais commencer à regarder comment je peux faire pour les commandes de boîte de vitesse. Et je te cache pas que c'est la partie la plus embêtante pour moi du projet. Je sais pas pourquoi, t'as un truc comme ça qui paraît anodin, mais si tu foires, ça marche pas bien. Donc là, je vais faire des petits essais, je vais couper des choses, machin, enfin, tu vas voir. Je me lance. J'ai rien en tête. Je coupe, comme ça, je peux plus faire machine arrière. Et je suis obligé d'avancer. Et voir si ça marche ou pas, ou s'il faut recommencer, puis ainsi de suite. Et puis, si j'ai un peu de chance, bah, ça va marcher. Je sais pas. On va voir. On va tester. J'appréhende. Voilà. J'ai juste ça. Juste un tube qui vient du levier de vitesse. Pour deux mouvements. Il pouvait pas faire deux tubes, ça aurait été plus simple. Et là, ça sort de là. Le tube vient s'emmancher là-dedans et après ça jusqu'à la boîte. On va dire que ce mouvement là, ça c'est plus simple à gérer. Mais le problème c'est que il faut que j'aille. Ah, j'ai un truc sur la main. Il faut que j'aille jusqu'à là-haut pour faire une fourchette. Jusqu'à là-haut là. Tout là-haut. Avantage d'avoir un pont, t'es pas obligé de travailler par terre. Hop, à peu près comme ça. Là, j'ai mis le palier vite fait avec une équerre, juste pour voir où ça tombe, et après, je ferai un support. C'est comme ça, tu fais des montages à blanc pour savoir ce que tu fais. Comme je sais pas trop ce que je fais des montages à blanc. Là, j'ai pris une petite douille 12 pans, comme ça, ça me fait une entretoise. J'ai mes deux diamètres qui vont bien, et puis vu que c'est 12 pans, comme pour les Volkswagen, bah forcément, je m'en sers pas, je l'utilise pas. Bon, en gros, ça donne ça, toi, une fois en place. Là, c'est le tube de commande de boîte qui arrive, j'ai enquillé la douille dedans, c'est juste posé. Et j'ai mis une petite biellette entre les deux, tu vois.
Et ben merci à l'abonné qui m'avait envoyé cette arrache là. Tu m'as sauvé la vie, gars. Merci. Paraîtrait-il que 95% des possesseurs de Milwaukee ont des tendances homosexuelles. AEG. Et les propriétaires de Renault Espace, on en dit quoi? Parce que là, c'est une boîte de Renault Espace, donc je voudrais être au courant, s'il vous plaît. Sinon, voilà, petit montage provisoire, on va dire. Ah, au fait, il y a un truc. Nose, la Porsche, elle est là, t'attends. Tu l'as gagnée, mec. Bonne nouvelle de ta part. Donc, si tu vois la vidéo, tu m'envoies un petit Gmail. Je te l'expédie directement dans la semaine. Par contre, si j'ai pas de nouvelles de ta part, bah je la remets en jeu. Hein ? C'est plutôt normal, je pense. Contacte-moi ! Ah ! Petite bière bien fraîche. Alors, les petits potes, beaucoup de modifications, comme tu as pu le voir. Hein. Commande de boîte, c'est une galère sans nom. Ce que tu vois pas, parce que la vidéo, elle dure pas très longtemps, mais ça fait 4 heures que je suis dessus. Alors, je t'ai épargné les trucs que tu coupes, que tu ressoudes, ça va pas, t'es obligé de redécouper, ressouder. Tu te dis, bon, bah, je vais faire ci, ça, comme ça, ça va le faire, tu le fais, il n'y a rien qui marche. Une galère sans nom, tu te lèves, tu vas couper, machin, putain, t'as oublié la clé, tu retournes là. T'as compris, hein? Donc, c'est très long. J'arrête là. Tout est en place, ça a l'air de fonctionner. Je vais pas aller à 100% de la chose parce que le moteur n'est pas fixé définitivement. Il n'a pas encore ses hauteurs. Voilà. Donc même quand tu bouges le levier de gauche à droite, le moteur bouge gauche à droite, donc ça sert à rien. J'espère la semaine prochaine avoir tous les supports pour pouvoir tout fixer définitivement, tu vois. J'ai commandé un support de boîte plutôt pas mal. Hasard de Google, recherche comme ça aléatoire, je tombe sur un truc pas mal, je le commande, il est déjà en route. C'est parfait. La semaine prochaine, voilà, on va tout mettre en place, on va essayer de vraiment de faire quelque chose posé. Sur ce, les petits potes, je vous dis à dimanche prochain. Passez une bonne semaine. Et t'as vu, j'ai fait une nouvelle intro et là, il y aura une nouvelle outro. Voilà, tu me diras ce que t'en penses aussi. Allez, au revoir!